Et bienvenue sur RMC Sport, Manchester. Voilà le théâtre des rêves, malheureusement toujours privé de ses gagnés par Ole Gunnar Solskjaer qui a décidé de titulariser Pogba, Cavani, des joueurs d'expérience plutôt que Greenwood et James qui étaient titulaires le week-end dernier en championnat, Fred. Oui, mais bon, c'est un match hyper important, on l'a dit, hein, ils veulent aller chercher ce trophée. C'est la grosse équipe, hein, et Ole Gunnar Solskjaer, il fait pas dans la dentelle ce soir. Il sait qu'en championnat, la Champions League est déjà actée. Mais... C'est la grande ambition de Manchester United, soulever enfin un trophée après 4 ans d'attente. Les Red Devils sont les favoris pour gagner l'Europa League, mais il faut d'abord éliminer la Roma. On peut aller chercher long parce qu'il y a Edin Dzeko devant. Mais sinon, on peut chercher dans les pieds aussi Pellegrini ou même Mkhitaryan, qui connaît très très bien ce... Oula. Ouais, alors là, tout de suite, grosse inquiétude pour Jordan Veretout. Oh là là, le numéro de Pogba, la remise de Cavani vers Bruno Fernandes. Oh, ils sont magiques, ils sont diaboliques. Les Red Devils, c'est Bruno Fernandes, monsieur Europa League. Mais United sur la voie du succès. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique, quel jeu en triangle avec Pogba, Cavani et Fernandes là, qui avec la finition extraordinaire, lucidité, regardez. La Pogba qui fait cette petite roulette sur Smalling, il le connaît. Et puis ensuite, petit crochet intérieur. Et on se met les kicks en confiance. Ouais, donc, on va repasser par Bruno Fernandes. Voilà, ouais, c'est totalement ça, c'est pas raté. Très bien joué. Et il s'en veut. Allez, Rashford, il y a une combinaison. Est-ce que Marcus Rashford a touché ce ballon en dernier? Non. Malgré les. Dzeko, le ballon est raté. Derrière, c'est encore jouable. La main peut-être de Paul Pogba. Alors ça, ce qui s'est passé. Alors ça, Karsdorp va effectivement réclamer et ses pénalty à David De Gea. Et Pellegrini ne manque pas l'occasion de revenir et de relancer une Roma qui avait perdu Vertu et qui avait encaissé très vite le premier but. Ouais, on le dit souvent, hein, les 5 minutes après avoir marqué sont cruciaux, il faut toujours rester concentré. Et là, une belle action, un bloc assez médian. Ouais, quel duel là. Le but à l'extérieur qui fait mal quand même à chaque fois. On va le répéter mais... Dégagement d'Ibanez. Encore une faute de main réclamée par le Djibouti. Il a redonné le ballon à Wan-Bissaka, que c'est mal relancé. Bruno Fernandes et Paulo Lopez. Bien soulagé sa défense. Ibanez, il est allé. Oh, il est passé. Marcus Rashford, Bruno Fernandes. Oh, il s'est précipité là, le Portugais. Obnubilé par le but. Obnubilé par le Dion. Pour Bruno Fernandes et les Red Devils. Oh, mais c'est sans danger pour Paulo Lopez. Il avait tenté. Les Romains et Paul Pogba dans ses œuvres. Ça revient sur Wan-Bissaka. Ah, va falloir vraiment. Temps fort mancunien là. Ouais, mais il y a trop d'erreurs techniques là. Et bah, pas mal de déchets. Attention, mon gardien. Il y en a... Ouais, j'allais dire. Ouais, l'arrivée de Karsdorp, c'est bien joué. Et le centre du néerlandais bien coupé par Maguire. Il y avait la présence. Pogba. Ouais, c'est parti. Bruno Fernandes. On maîtrise, Fred, même si vous n'avez jamais été vraiment blessé dans votre carrière. Non, ça m'est pas arrivé et je touche encore du... Mkhitaryan, oh, il est bon ce ballon pour Pellegrini. Et l'arrivée d'Edin Dzeko. Incroyable. Incroyable, la Roma. Deux blessés. L'ouverture du score concédé. Et pourtant, ils sont là et ils inscrivent un deuxième but à Old Trafford. Ils viennent mettre à mal
les ambitions de Manchester United et sont en train de réaliser un énorme coup. Alors regardez, hein, c'est Spinazzola, hein, qui au départ du ballon, à chaque fois, il rentre dans la surface. Notre consultant Yohan Crochet qui nous disait pas mal de choses négatives sur cette équipe. Ouais, qui a quand même, on le rappelle... Alors... Et Ben nous dit sur le hashtag RMC Europa, je voudrais bien savoir ce que les Romains faisaient à l'échauffement. Pendant la mi-temps, attention à la deuxième, parce qu'il y a des joueurs comme Greenwood ou même Rashford qui peuvent rentrer et qui peuvent faire... Chelsea, Real Madrid. Le corner de Luke Shaw et la clivée de Scott McTominay. Ah, il fait des... Oula, bien joué, deuxième poteau. Les Gunnar Solskjær de Dzeko permettent pour l'instant aux Italiens d'avoir l'avantage. Et Leonardo Spinazzola remplacé par Villar, Mirante et Bruno Pérez. Il n'y aura pas de changement côté Giallo Rosso. Surpris par la Roma, Manchester United doit réagir. C'est une défaite face au Bilbao de Marcelo Bielsa à l'Athletic Bilbao. Là, il s'est fait peur, là, David De Gea. Comme ça, alors la Roma. Ouais, alors là, maintenant, il faut prier pour qu'il n'y ait plus de blessure. Hein. Avec la présence de Bruno Fernandes, le petit ballon vers Cavani. Oui, mais qu'est-ce que c'est, Cavani, le matador, remet Manchester United à égalité. Et vient relancer encore cette demi-finale, allez. Oh, mais quel but de Cavani, encore une fois, c'est Paul Pogba qui met un super ballon au départ. Regardez Fred qui se bat, qui lance Pogba. Et ensuite Cavani, regardez le visage de Cavani, il regarde pas le ballon au départ. Et ensuite, c'est une deux un peu tardif au dernier moment. Le décalage, il est bon pour Wan-Bissaka. Oh, ce ballon relâché. Le faute de main. Oh, Mirante. Il a remplacé Paulo Lopez, il était parfait, mais là, il offre le troisième but à Cavani. Et Manchester United reprend l'avantage dans cette double confrontation. Ah, le renard de surface, Cavani, ça c'est le genre de ballon, il ne faut pas, surtout pas relâcher. De... Ah, difficile de contrôler ce ballon, Marcus Rashford, l'arrivée de Cavani, il a tenté un geste hyper compliqué. Et le tac de ce spécialiste, vous l'avez compris. Bruno Fernandes, Monsieur Europa League, envoie peut-être Manchester United vers la finale. Ah, c'est encore bien tiré hein, par Bruno Fernandes, pas de fioriture. On choisit son côté, on met fort, à mi-hauteur. Deuxième poteau, Paul Pogba. Paul Pogba, Manchester United s'envole et prend... un avantage presque définitif sur la qualification en finale. La Roma a lâché, c'est dommage parce qu'ils avaient montré de belles choses, mais là ils sont en train de prendre une valise alors qu'ils aient, ils menaient à la mi-temps. Et c'est Paul Pogba là qui a la. He found his home. You know, obviously he's had a few...